au long des années, j'ai fait beaucoup d'enseignements dans beaucoup d'endroits différents sur la façon d'avoir une bonne relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Et nous avons pris certaines des meilleures parties de ces différents enseignements et nous les avons combinés dans une seule émission pour chaque relation spécifique. Donc, quand vous finirez de la regarder, pourquoi ne pas aller à la page Facebook ou Twitter et me faire savoir quelle était votre partie préférée. Je voudrais avoir vos réactions et j'ai hâte d'écouter ce que vous pensez. Nous pourrions donc dire aujourd'hui qu'il ne s'agit que de vous. Où êtes-vous sur la liste des gens dont vous vous occupez <laughs> Êtes-vous toujours à la queue de votre liste et, à dire vrai, vous devez vous occuper de tant de personnes que lorsque vous finissez de vous en occuper, vous n'avez jamais le temps de vous occuper de vous-même Est-ce que vous dites des choses comme Quand est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour moi ou des choses comme ⁇ Je fais tout le travail par ici ⁇ et personne, personne ne m'apprécie. J'ai beaucoup de hochements de tête là-bas. <laughs> si vous ne vous occupez pas de vous-même, vous arriverez au point où vous ne pourrez pas vous occuper des autres non plus. Vous arriverez au point... Ou soit vous ne pourrez pas le faire physiquement, vous ne pourrez pas le faire mentalement, vous ne pourrez pas le faire émotionnellement, soit vous le ferez mais avec une attitude si mauvaise que tout le monde regrettera que vous l'ayez fait. Ce n'est pas égoïste de s'occuper de soi-même, c'est sage. Je crois que Dieu nous donne la responsabilité dans trois relations. Et la Bible est une affaire de relations. Elle parle de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les autres. Mais plus important encore de notre relation avec nous-mêmes. Si vous ne vous aimez pas, il vous sera impossible d'aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est vraiment pas possible. Vous savez pourquoi Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous n'avez ni amour, ni estime pour vous-même, si vous ne vous appréciez pas vous-même, comment allez-vous apprécier les autres si vous ne vous respectez pas, comment allez-vous respecter quelqu'un d'autre Il m'est impossible de donner ce que je n'ai pas. J'ai un verre d'eau là, donc si vous dites donne-moi de l'eau, je pourrais faire ça. Mais si mon verre était vide, aussi longtemps que vous criez pour que je vous donne de l'eau, je ne pourrais pas vous donner ce que je n'ai pas. Et j'ai essayé pendant des années d'être une personne aimable et je ne savais pas quel était mon problème parce que je voulais sincèrement obéir à la Bible qui dit d'aimer les autres et je continuais à échouer et à échouer et à échouer et je me suis finalement rendu compte que je ne m'aimais pas. Je n'étais pas miséricordieuse avec les autres. J'étais dure et insensible et critique et imbue de moi-même. Je ne pouvais pas être miséricordieuse parce que je n'avais pas encore reçu la miséricorde de Dieu pour moi. J'étais trop dure pour moi-même. Si vous êtes trop dure pour vous-même, vous serez trop dure pour les autres. Si vous exigez la perfection de vous-même, vous exigerez la perfection de tous les autres. Donc si vous n'avez jamais fait ça, vous devez faire une pause dans votre vie surchargée et vous devez découvrir le fin fond de votre relation avec vous-même. Est-ce que vous vous plaisez Vous vous aimez vous vous appréciez Vous vous respectez Est-ce que vous faites des choses pour vous-même Est-ce que vous répondez à vos besoins légitimes sans culpabiliser Parfois, si nous faisons quelque chose pour nous-mêmes, il y a ce petit démon qui traîne dans notre espace et nous oblige à culpabiliser pour l'avoir fait. Eh bien, tu aurais pu donner cet argent, tu n'avais pas besoin d'une autre paire de boucles d'oreilles, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire cela. Pourquoi tu es allongé pour regarder ce film Il y a toujours du travail à faire. Allez, n'est-ce pas que je dis la vérité Nous ne sommes pas sur Terre que pour prendre de la place et respirer. Il n'y a rien que j'aime mieux que de voir mes enfants s'amuser. Et j'aime vraiment les voir se réjouir les uns des autres. Je ne crois pas que nous nous rendions compte combien Dieu se réjouit quand nous nous réjouissons les uns des autres et que nous nous amusons. Je ne crois vraiment pas que quelqu'un aime bien rire plus que Dieu. Il a créé l'amusement. Il a créé le rire. Il a créé la joie. Le diable est celui qui a amené le malheur et la misère et la tristesse et la dépression et le désespoir et le découragement et la colère et le non-pardon. Il ne vient que pour détruire, mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez. Vous ne pouvez jouir de votre vie si vous ne jouissez pas de vous-même. Combien d'entre vous ici ce soir ne s'estiment pas comme il faut Combien d'entre vous ne s'aiment pas tant que ça Maintenant, j'ai un tas de ça, vous savez. Il faut dire la vérité. Non, mais il y a eu beaucoup d'années où je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas ma voix, je n'aimais pas ma personnalité, je n'aimais pas mes cuisses, je n'aimais pas ceci, je n'aimais pas cela. Eh bien, vous devez vraiment faire la paix avec vos cuisses parce que les cuisses que vous avez sont les cuisses que vous avez. Prenez ce que vous avez et faites de votre mieux avec ça. Si vous pouvez améliorer le, mais si vous êtes coincé avec ça, apprenez à l'aimer. Amen. Ça ne vous servira à rien de regarder les autres personnes. Oh, si seulement j'étais comme toi, si j'avais tes cheveux, si seulement je pouvais chanter comme ça. Vous n'avez pas ça. Point final. Ça ne va pas arriver. Apprenez à vous aimer. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Vraiment heureux à plein temps. <laughs> je parle des chrétiens heureux à plein temps. Vous savez, nous pouvons être heureux dans l'allégresse collective quand nous venons à l'église. Et l'équipe de l'adoration est en train de jouer et c'est comme... Oh. Mais je parle d'être heureux à plein temps. Heureux à plein temps. Heureux dans la tempête. Heureux quand la tempête est finie. Les gens pensent, je ne peux pas être heureux si je ne me marie pas. Ensuite, ils se marient et ils pensent, je ne peux pas être heureux si je dois supporter ça toute ma vie. Vous savez ce qu'on dit Les célibataires sont tristes et les mariés sont fâchés. Eh bien, je ne peux pas être heureux. Sans enfants, je ne peux pas être heureux. Oh, si cet enfant ne grandit pas et sort de cette maison, je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas être heureux si je ne peux pas avoir une grande maison. Oh, je ne peux pas être heureux si je dois nettoyer cette grande maison toutes les semaines. Dieu dit, demandez-le, et si c'est bon, je vous le donnerai. Et je vous le donnerai dans mon timing. Et je vous le donnerai quand vous êtes prêt, non pas quand vous croyez que vous êtes prêt, mais quand je sais que vous êtes prêt. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais je ne crois pas que je puisse être heureuse si mon mari ne change pas. Eh bien, je croyais ça et mon mari n'a pas changé et maintenant je suis heureuse. Il n'a pas changé. Non, mais il n'y avait pas grand-chose qui n'allait pas chez lui. C'était moi qui avais le problème et je croyais qu'il devait changer pour que je puisse être heureuse. Et quand j'ai finalement découvert que je devais prendre la responsabilité de ma propre joie et arrêter d'essayer de donner à quelqu'un d'autre la tâche de me faire plaisir, une des raisons pour lesquelles j'étais malheureuse et que j'étais résolue à être le genre de personne que Dieu voulait que je sois, mais j'essayais en réalité de faire ça toute seule. Je ne connaissais pas, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, s'il y a quelque chose qui se passe en moi qui doit être changé, je demande simplement à Dieu de me changer. Je ne lutte pas avec ça. J'étudie la parole et je demande à Dieu de me changer. Je n'essaie pas de me changer et essaye de me changer et essaye de me changer et essaye de me changer. Je n'ai pas le temps de faire la danse pour amener tout le monde à m'aimer. J'ai essayé ça dans les quelques premières années et ça tue. Donc j'ai finalement décidé, Dieu, il va falloir que tu les amènes à m'aimer parce que c'est ce que je suis, c'est fini. Et je ne peux pas essayer de faire les choses d'une façon pour vous et d'une autre façon pour vous et d'une autre façon pour vous. Donc je crois que Dieu me donne la grâce. Priez pour des portes ouvertes. Priez Dieu d'ouvrir des portes que vous ne pouvez pas ouvrir et de fermer des portes qui doivent être fermées et que vous n'êtes pas prêts à fermer. Vous m'avez entendu? Ne priez pas Dieu juste d'ouvrir des portes, priez-le de fermer des portes dans votre vie qui doivent être fermées. Commencez à être honnête avec Dieu. Commencez à être responsable devant quelqu'un et confessez des choses et demandez la prière. Ouh! Vous allez exaspérer le diable quand vous faites ça, parce qu'il veut que vous mettiez un masque artificiel sur votre visage. Le Seigneur soit loué. Alors que dedans de vous vous êtes presque détruit. C'est incroyable ce que nous nous faisons quand nous cachons des trucs. Ne jouez pas au plus fin les uns avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait toute la semaine. Comment a été ta journée hier Eh bien, j'ai mal agi toute la journée hier. Vraiment mal. Mais je suis content que Dieu soit miséricordieux et qu'il soit prêt à me pardonner. Je lui en ai parlé. Il m'a pardonné. Et vous pouvez prier pour moi aussi, car j'ai besoin de toute aide. Amen. Et non pas, comment étais-tu hier? Très bien. Amen. La première chose qui arrive chaque jour, vous devez dire, Dieu merci pour cette journée, et je sais que je ne peux rien faire sans toi. Donc, s'il te plaît, sois avec moi et aide-moi dans tout ce que je fais. Je te le demande. Je demande de pouvoir élever mes enfants sans perdre la raison. Je demande de conduire dans le trafic pour aller au travail sans me fâcher et faire des choses odieuses. Je demande de ne pas manger à l'excès aujourd'hui car je suis tenté sur ce plan. Je demande Dieu, nous devons demander. Il y a une puissance incroyable, incroyable dans la prière. Quand un homme juste prie une puissance énorme devient disponible. Vous dites, eh bien, c'est mon problème, je ne suis pas un homme juste. Si vous êtes régénéré, vous êtes juste devant Dieu par le sang de Christ, peut-être que vous ne faites pas tout comme il faut, mais croyez-moi, vous êtes juste devant Dieu. <music> Combien d'entre vous culpabilisent dans votre vie et c'est un lourd fardeau et vous en avez par-dessus la tête et vous voulez apprendre à vous en libérer? Eh bien, j'avais un problème énorme, énorme, terrible avec la culpabilité dans ma vie. Et je peux dire ici aujourd'hui que bien que ce fût un combat énorme et qui a exigé beaucoup d'études, j'ai été délivré, complètement délivré de la culpabilité. Or, cela ne veut pas dire que si je fais quelque chose de mauvais, je n'ai pas du chagrin à cause de mon erreur. Je ne veux pas faire de mauvaises choses. Je n'aime pas du tout sentir que j'ai offensé le cœur de Dieu. Mais je crois qu'il y a une différence entre avoir du chagrin sain pour avoir offensé le cœur de Dieu, admettre ça, en discuter tranquillement avec Dieu, obtenir son pardon et aller de l'avant, c'est une chose différente de porter toujours ce terrible fardeau de culpabilité et de le laisser vous rabaisser et vous voler votre vie jour après jour, après jour, après jour. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Il attend que nous le croyons. Et je vais vous montrer la preuve dans la parole de Dieu aujourd'hui. Comme quoi il nous a non seulement pardonné nos péchés, mais a encore ôté la culpabilité. Et c'est à nous de le croire ou non et d'arrêter de vivre d'après nos sentiments et de commencer à vivre d'après la parole. Quand j'ai finalement vu comment Satan m'avait volé par la culpabilité, qui en était vraiment une fausse, parce que je m'étais repenti j'avais demandé à Dieu de me pardonner et j'avais même cru qu'il m'avait pardonné. Et pourtant, je me sentais toujours coupable et mauvaise et je portais ce fardeau sur mon dos partout où que j'aille. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. J'ai presque commencé à penser que c'était la façon religieuse de se sentir comme un vieux ver et quelqu'un qui me peut. Jamais faire ce qu'il faut et plaire à Dieu. J'ai beaucoup souffert à cause de la culpabilité. Oh, c'était horrible. Je me levais et je désirais que ce soit le temps de dormir et je dormais et je désirais me lever. Parce qu'il était toujours là. Euh, il rôdait. Tu n'as pas... Tu n'es pas. Tu aurais dû. Tu n'aurais pas dû. Tu devais savoir mieux. Tu l'as fait encore une fois. Tu ne seras jamais. Jamais gentil. <laughs> pour qui te prends-tu pour prêcher les autres <laughs> Eh bien, je vais exaspérer tous les démons religieux en disant Je suis debout ici devant vous aujourd'hui et je n'ai pas une once de culpabilité pour quoi que ce soit. Je n'en ai aucune. Vous dites Tu ne fais jamais ce qu'il ne faut pas. Aussi Aussi si, 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 si. <laughs> non, mais si je pense une pensée égoïste, c'est mauvais. Si je pense une pensée critique au sujet de quelqu'un d'autre, c'est mauvais. On ne fait pas toujours ce qu'il faut. Et tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est de dire... Tu as raison Dieu, et j'ai tort, et je suis désolé, et j'ai besoin non seulement de ton pardon, mais encore de ton aide pour ne pas répéter. Et ensuite, immédiatement, non seulement comme un service à vous-même, mais encore comme un service à Dieu, vous vous en détournez et vous passez à la chose suivante que Dieu vous réserve. Vous ne la traînez pas avec vous. Et vous faites ensuite une autre erreur et vous la traînez avec vous. Et vous faites une autre erreur et vous la traînez avec vous. Certains d'entre vous se sentent toujours coupables pour des choses d'il y a 30 ans et 20 ans et 15 ans et 10 ans et 5 ans et une semaine et hier et ce matin. Allez, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est notre remplaçant et que nous sommes cohéritiers avec lui et que tout ce qu'il a souffert pour triompher toute victoire qu'il a remportée pour nous quand il a pris le péché à la croix et est mort là avec ça. À ce moment-là, le péché a perdu sa puissance sur quiconque croirait vraiment en Jésus-Christ. Car ce que Dieu a vu ce jour-là sur la croix, en Christ, il a vu chaque personne qui croirait en son Fils unique, Jésus-Christ, et se fierait à lui pour son salut. Spirituellement, nous étions en Lui quand il est mort. Nous étions en Lui quand il a ressuscité des morts. D'après la Bible, nous sommes assis en ce moment dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien que nous soyons debout ici en ce moment, nous sommes encore en Lui. Et si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne comprendrez jamais ceci. Ce n'est pas, j'espère, il se peut, c'est un fait. Donc, c'est quelque chose d'ici, du côté du ciel, qui est tout à fait accompli, c'est déjà fait, c'est accompli. Votre nom est là, votre demeure est déjà bâtie. Amen. Et tous ces bons trucs. Donc, nous nous détournons du péché ici. Je suis mort au péché, je vis pour Christ. Je suis mort au péché, je vis pour Christ. Hop, 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 hop. Un hey, minute, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis désolé, je me suis repenti, je suis pardonné, tu n'as rien à voir avec moi diable, je vais continuer à faire des progrès, à marcher vers ma relation avec Dieu. Mais ce qui arrive normalement, c'est que les gens sont coincés quelque part et ils arrêtent de grandir et ils n'ont jamais la joie que Jésus veut qu'ils aient pendant qu'ils sont ici. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché. Il a pris notre péché. Et puisqu'il l'a pris et l'a payé, nous ne devons pas le garder et le payer. Non seulement les péchés que nous avons commis avant de demander à Christ de venir dans notre vie, mais tous les péchés que nous commettrons tant que nous sommes vivants sur Terre. Tous les péchés ont été traités sur la croix. Tous les péchés. <laughs> Bien, maintenant le verset 10 est une grande chose ici. Verset 10 et 11. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, mettant fin à sa relation avec lui une fois pour toutes. Et la vie qu'il vit, et c'est pour Dieu qu'il vit, en communion ininterrompue avec lui. Maintenant, voilà. Le moyen d'avoir la victoire sur le péché, c'est de vivre dans une communion ininterrompue avec Dieu. Arrêtez de vivre sous la loi. Et d'avoir toutes vos listes de tout ce que vous devez faire ou ne pas faire de peur de fâcher Dieu. <laughs> Laissez le côté légal. Mettez-le de côté et comprenez que Jésus a gardé la loi, il a accompli la loi, il a écrit la loi dans vos cœurs. Et plus vous communiez avec lui, plus vous êtes proche de Dieu, plus vous saurez ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et plus vous êtes proche de Dieu, plus vous aurez la force de faire ce qu'il faut et de dire non à ce qu'il ne faut pas. Mon Dieu, si jamais nous saurions ce qu'il a fait pour nous! C'est difficile à comprendre parce que Satan est là! Et essaye de dire, tu veux rire, ça ne pourrait être aussi simple que ça. Tu crois que tu peux aller faire ce que tu voudras et ensuite t'excuser et tout sera pardonné? Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de cœur et qu'il voit nos cœurs. Si vous faites le faux et que vous cherchez une excuse pour pécher, je ne peux pas vous aider. Il n'y a rien que je puisse faire. Mais si vous êtes sérieux, si vous aimez vraiment Dieu, et que vous savez que Jésus est votre seul espoir, et que vous voulez vraiment vivre pour plaire à Dieu, et c'est le cas sinon vous ne seriez pas ici, il ne s'agit pas de ce que vous faites. Maintenant, il se peut qu'il y ait certains surfeurs de chaîne en ce moment qui ont plutôt par hasard regardé cette émission et vous essayez de voir si je suis folle ou si j'ai quelque chose que vous aimeriez écouter. Et je ne sais pas où vous en êtes, mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, si vous avez reçu Christ comme votre Sauveur, et si vous voulez vraiment vivre la vie que Jésus est mort pour que vous viviez, vous n'allez jamais faire ça si vous êtes accablé de culpabilité tout le temps à cause de tout le mal que vous auriez jamais fait. Il n'y a aucun mal que nous avons fait que Dieu ne puisse pas réparer par le sang de Jésus-Christ. Rien. Vous êtes-vous jamais lassé de travailler sur vous-même ou jamais demandé pourquoi plus vous faites de gros efforts pour ne pas faire quelque chose, plus vous le faites J'écoutais un message au sujet de ne pas trop parler ou dire de mauvaises choses et j'ai décidé, c'est fini, je vais rentrer à la maison et je vais fermer ma bouche et je ne vais pas dire une seule chose, car si je ne dis rien, je ne peux pas m'attirer des ennuis. Eh bien, la chair passe toujours d'un extrême à l'autre. Je parlais trop et ma solution humaine à ça était de ne plus parler. Et nous savons que ça ne marche pas. Donc quand tout le monde a voulu savoir ce qui n'allait pas chez moi, cela m'exaspérait car je pensais, vous n'aimez pas que je parle, vous n'aimez pas que je ne parle pas, quoi que je fasse, je ne peux pas plaire aux autres. Quelqu'un comprend de quoi je parle je ne comprenais pas que le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. J'essayais toujours de me changer de l'extérieur. Ce que je devais faire était de dire, Dieu, tu sais, j'ai été convaincu par ce message, j'ai vraiment un problème sur ce plan, mais je ne peux pas me changer, Dieu. J'ai besoin que tu me changes toi-même. Je me fie à toi, Dieu, pour me changer. J'ai besoin de grâce, Dieu, de grâce, de grâce et de plus de grâce pour m'aider dans cette situation. Et ensuite, quand j'ai totalement compté sur Dieu, j'ai eu accès à sa puissance par ma foi, et ensuite, tout à coup, j'ai remarqué Waouh Je change Je ne sais même pas comment c'est arrivé Je ne suis plus en train de dire des bêtises comme avant. Waouh Ce doit être Dieu <laughs> Et c'est ce qu'il veut. Galates, chapitre 3, verset 5. Celui qui vous accorde son merveilleux Saint-Esprit et qui opère puissamment et miraculeusement parmi vous, le fait-il parce que vous faites ce qu'exige la loi ou parce que vous croyez et vous adhérez et vous vous fiez et vous comptez sur le message que vous avez écouté Donc il dit, croyez-vous que vous allez changer à cause de vos luttes et de vos efforts, non, la seule façon de changer, c'est de compter complètement sur Dieu. J'espère que chaque message que je prêche ce week-end vous convainc vraiment, vous convainc, vous convainc. Je ne veux pas qu'il vous condamne. Je veux qu'il vous convainque, mais je ne veux pas que vous rentriez à la maison pour essayer de changer. Je veux que vous rentriez à la maison et commenciez à prier au sujet de ce que vous avez écouté et à dire Dieu, j'ai besoin que tu travailles ça en moi. Et l'autre chose que je veux que vous fassiez, c'est de continuer à étudier dans les domaines où vous recevez la conviction. Allez à la parole et allez au Saint Esprit. Ne vous embarquez pas dans les œuvres de la chair pour faire que les choses se produisent. Allez à la parole, allez au Saint Esprit et dites Dieu, je ne peux pas faire ça sans toi. Ce serait comme si j'exigeais que ce truc donne la lumière quand il n'est pas branché. Mais c'est très simple. Si vous branchez tout simplement les choses, tournez-vous vers la personne qui est à côté de vous et dites, es-tu déconnecté <laughs> Il y a le courant dans la prise de courant à tout moment. Mais vous devez vous brancher. Comment est-ce que vous vous branchez Dieu, j'ai besoin de toi, je ne suis rien sans toi, je me fie à toi, je m'appuie sur toi, je compte sur toi. Mon Dieu, combien d'années ai-je essayé de changer mon mari Avez-vous une idée du travail futile que c'est que d'essayer de changer votre époux Non, mais parlez de quelque chose qui vous épuise, mes chers, et ça y est. Je reste à la maison avec nos enfants toute la semaine et ensuite tu viens et tout ce que tu fais c'est de jouer au golf et de regarder ce sport à la télé. Et moi Je ne pensais pas au fait qu'il travaillait toute la semaine et ceci était quelque chose qu'il aimait et d'ailleurs je n'étais pas aussi agréable pour qu'il passe le temps avec moi. C'est la vérité, je ne l'étais pas. J'étais casse-pied et manipulatrice et autoritaire et égoïste et égocentrique. Oui, j'étais exactement comme ça jusqu'à ce que Dieu s'est saisi de moi. Et pas seulement ça, j'allais à l'église comme ça tout le temps. Et aller à l'église ne m'a pas du tout changé. Allez à l'église autant que vous voudrez, ça ne veut pas dire que vous allez changer. Vous changez quand vous commencez à prendre la parole au sérieux et quand vous commencez à crier à Dieu et à dire Ça ne me satisfait pas de rester comme je suis. Je sais que Dieu a changé ma vie et que je ne suis rien sans lui. Nous sommes la tête et non la queue en haut et jamais en bas. Nous sommes hardis et intrépides et confiants et nous n'allons pas laisser le diable gagner. Allez maintenant, levez-vous tous et louez Dieu. L'un des désirs les plus profonds du cœur de Dieu, c'est d'avoir une relation profonde, intime, personnelle avec vous. Oui, j'ai dit avec vous. Et je ne parle pas juste. À un groupe de gens ici, je vous parle à vous. C'est la raison même pour laquelle Dieu nous a créés. Pas seulement ça, il veut aussi que nous apprenions à avoir une bonne relation avec nous-mêmes. Que pensez-vous de vous 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 aimez Êtes-vous contre vous Est-ce que vous vous méprisez Est-ce que vous vous rejetez Ou avez-vous une relation saine avec vous Est-ce que vous attachez une grande valeur à ce que Dieu a fait en vous créant Vous savez, tout ce que Dieu a créé, il a regardé et il a dit c'est très bon. Et cela veut dire vous. Oui, nous faisons tout ce qu'il ne faut pas, mais vous êtes une bonne personne au très fond de vous, et Dieu veut avoir une merveilleuse relation, une relation intime avec vous. Et à ce moment-là, nous pouvons apprendre à aimer les autres d'une façon saine et vivifiante. programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Je vous le dis, Dieu est fidèle. Et je ne sais pas combien vous devrez attendre, mais je sais que je sais que Dieu répondra. Et je sais que vous pouvez jouir de votre attente si vous améliorez simplement votre attitude. Ne soyez pas surpris si vous passez par des choses, Dieu vous fait grandir. Vous ne remerciez peut-être pas Dieu pour cela maintenant, mais je remercie Dieu maintenant pour certaines des expériences les plus difficiles que j'ai eues dans ma vie et certains des endroits où Dieu m'a mise qui étaient justes. Je veux dire des chrétiens qui faisaient des choses et traitaient les gens de façon qui n'était juste pas bonne. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et vous savez quoi Je n'ai pas appris quoi faire. J'ai appris quoi ne pas faire. Et parfois, la seule façon d'apprendre à ne pas maltraiter d'autres personnes est d'être dans une situation où vous êtes injustement maltraité. Allez, et puis vous savez, vous apprenez parce que vous savez ce à quoi ça ressemble. Vous ne savez pas ce que j'ai dû traverser pour pouvoir vous aider aujourd'hui Je plaisante. Eh bien pas vraiment, mais... Je suis si heureuse d'être passée par tout cela. Je ne suis même pas désolée à propos de mon enfance. Parce que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Job a attendu, Ruth et Esther ont attendu. J'ai attendu. J'attends toujours certaines choses maintenant. Combien d'entre vous attendent quelque chose Eh bien, je ne peux rien faire concernant cette attente, mais je peux vous aider à apprécier la vie alors que vous attendez. C'est la clé. Je peux vous aider à apprécier la vie alors que vous attendez. Mon Dieu, comme cela énerve le diable. Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit Je suis venu. J'aime cela, ça détruit tout le plan du diable. Je suis venu... Et cela clôt la discussion. Je suis venu afin que les hommes aient et jouissent de la vie, une vie abondante, remplie, jusqu'à déborder. Pourquoi ne pas rendre le diable en colère et commencer à jouir de votre vie C'est-à-dire apprendre comment jouir de la vie ordinaire de tous les jours. La vie, juste la vie. Si nous pouvions juste ralentir assez pour vraiment reconnaître la présence de Dieu. Et peut-être que certains de vous ne savent même pas de quoi je parle, mais il y a une véritable présence de Dieu que vous pouvez, je ne vais pas dire sentir, mais vous pouvez la discerner, vous pouvez la ressentir. Vous la connaissez dans vos cœurs. et dieu est avec nous tout le temps mais c'est seulement quand nous ralentissons assez pour reconnaître cela que nous en jouissons et quand la bible dit réjouissez-vous dans le seigneur <laughs> il y a une joie quelque chose de profondément spirituel qui vient à vous qu'importe combien vos problèmes sont grands si vous pouvez passer du temps dans la présence de Dieu et vous savez qu'il marche avec vous ça remplace tout le reste de ce qui arrive dans votre vie parce que vous savez qu'il s'en occupera d'une façon ou d'une autre un jour quand le moment choisi viendra il s'en occupera mais nous attendons tous quelque chose mais nous ne pouvons pas laisser Dieu nous dire quand <laughs> Combien plus longtemps, Seigneur Devrais-je supporter ça Quand vas-tu changer mon mari Je ne parle pas de mon mari, il est parfait. Au moins, il pense qu'il l'est. Oh oui, vous savez quoi Dave est un type spécial. Il aura une section dans le ciel où seul lui et Dieu vivent. J'ai demandé à Dave, parce que j'aime parler aux gens à propos de ce genre de choses, j'ai dit, quelle est ta plus grande faiblesse Et il n'a pu penser à rien. Qu'est-ce que c'est que ça et ce n'est pas que, je veux dire, il sait qu'il a des faiblesses, mais... Dave est juste... Tout va pour le mieux chez lui. C'est en partie sa personnalité, mais... Il n'est pas du tout anxieux, insécurisé. Il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Donc, quand je dis quelle est ta grande faiblesse, la raison pour laquelle il ne sait pas et qu'il ne se concentre pas dessus, il ne se concentre pas dessus parce qu'il pense eh bien Dieu me connaît et il sait ce qui est bon et il sait ce qui ne l'est pas et je lui fais confiance pour s'occuper des choses et c'est là que la vie devient belle. Maintenant, si vous me demandez quelle est ta faiblesse, je peux en nommer quelques-unes. Parce que j'ai essayé si dur de changer. <laughs> Allez, vous comprenez, j'ai essayé. <laughs> essayé. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse <laughs> C'est comme si nous pensions que si nous faisons quelque chose, ça changera tout. Et vous savez quelle est la réponse Il voudra que nous le croyons, que nous lui fassions confiance, que nous l'attendions avec une bonne attitude. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut que nous fassions <laughs> Nous ne pouvons pas arrêter de faire. Nous ne sommes pas des actes humains, nous sommes des êtres humains. Oh mon Dieu. Acte 16, acte 1, 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est-à-dire, il y a certaines choses que vous n'êtes pas supposés savoir. <laughs> Youhou, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Dites à votre voisin, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ça ne prend pas tout ce temps pour dire ça. Vous voyez comment vous êtes Je vous ai donné un peu de liberté. Et vous vous êtes perdu en faisant ce que vous voulez. <laughs> Maintenant, je dois essayer de vous ramener. Très bien. Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait continuellement lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune. <laughs> Allez, j'ai dit adieu je n'allais pas me taire et je vais continuer jusqu'à ce que je vois du changement laissez dieu savoir que vous n'allez pas abandonner ce n'est pas de l'impolitesse elle venait continuellement lui dire fais moi justice pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui même Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. <laughs> le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Allez, c'est mieux que ça. Je veux dire, il dit tellement, parce que vous savez ce qu'il dit Assurez-vous que vous demeurez dans la foi, que vous continuez à croire, et laissez-moi travailler. Tant que vous croyez, Dieu travaille. Et je vous le dis, voici ce que nous devons faire. Et je fais ça depuis un bon nombre d'années. Et c'est vraiment très utile. Quand j'attends quelque chose, et après je commence à penser à combien de temps ça prend, vous savez, ma pensée commence à devenir négative. Je dis à haute voix, Dieu travaille. Dieu travaille. Et ça m'aide. Parce que c'est vrai. Vous savez, quand vous avez une percée, Dieu n'a pas commencé à travailler sur ça une seconde avant que vous ne l'ayez. Dieu travaille dans votre vie maintenant. Il a entendu vos prières. Il travaille sur votre situation. Mais spécialement, quand vous priez des prières pour d'autres, vous ne contrôlez pas combien de temps il leur faut pour entendre Dieu. Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. <laughs> Mais rappelez-vous, quelle est l'espérance C'est une attente positive de ce que quelque chose de bien arrivera avec moi. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. <laughs> la foi est pour quand vous ne voyez rien, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous avez des questions dont vous ne trouvez pas les réponses. Et la foi n'est pas une histoire du cœur. La foi peut croire que Dieu travaille et que quelque chose de bien arrivera quand tout autour d'eux semble être totalement l'opposé. Peut-être que nous devons juste simplifier les choses et avoir un peu d'instruction sur le fait de retourner à la foi simple. Je crois Dieu. Je sais que ce n'est pas logique, mais je crois à Dieu. Je crois que Dieu travaille. Quelque chose de bien arrivera avec moi. Ceci changera parce que je vais continuer à gêner Dieu jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose. Allez, je suis sérieuse. Luc 18. Regardez juste la façon dont c'est écrit et le passage se rapporte à la prière. Et il me semble que Dieu nous dit de le gêner. Allez-y, continuez comme ça. <laughs> il a dit, si même un juge inique a finalement donné à cette femme ce qu'elle voulait, il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il était méchant et injuste, mais juste parce qu'elle refusait de se taire. <laughs> Est-ce qu'une des femmes ici a déjà eu quelque chose qu'elle voulait de son mari, juste parce qu'elle refusait de se taire Allez maintenant. <laughs> eh bien, vous comprenez. Et il dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi Peut-être que certains de vous avaient juste besoin de venir ici pour se rappeler de raviver leur foi de nouveau. Oui, vous êtes fatigués, vous êtes essoufflés, vous travaillez dur et vous croyez en Dieu et vous attendez depuis une éternité que cet enfant change ou pour que vos finances changent ou pour que vous changiez ou je ne sais pas. Mais je suis là pour vous dire, je suis passé par là et je passe encore par cela. Dans différentes saisons, à des moments différents. Et je vous le dis, de la parole de Dieu et d'après mon et expérience et l'expérience de beaucoup d'autres, que Dieu est fidèle. Et je ne sais pas combien vous devrez attendre, mais je sais que je sais que Dieu répondra. Et je sais que vous pouvez jouir de votre attente si vous améliorez simplement votre attitude. Vous dites, eh bien, je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Peut-être pas, mais vous pouvez contrôler votre comportement. Vous le pouvez parce que la Bible dit que nous avons la maîtrise de soi. La maîtrise de soi veut dire que vous pouvez vous contrôler au cas où vous ne l'avez pas compris. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie en deux choses. Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. <laughs> Allez il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Allez, vous avez une bénédiction qui arrive. Dieu travaille dans votre vie. Et vous savez quoi Le diable vous fera peut-être face et il pourrait avoir une crise après l'autre, mais il ne vaincra pas Dieu et vous travaillant ensemble. Ça n'arrivera simplement pas. Allez, ralentissez assez pour... Vous savez, quand vous absorbez assez de la présence de Dieu, elle vous fortifie. L'onction sur votre vie augmente. Vous croyez Dieu. Je pense honnêtement que juste ralentir peut faire une grande différence dans toutes nos vies. Vous comprenez ceci je veux m'assurer que vous comprenez. Je suis fatiguée de m'empresser. Ne me dites pas Dépêche-toi, Joyce, je ne veux plus entendre cela. Et je devais arrêter de dire cela à Dave. <laughs> Allez, Dave, nous serons en retard. Et puis je dirais Tu ne serais pas en retard si tu allais jouer au golf. Oh oui, je suis toujours un peu effrontée. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui était vraiment parfait pour moi. Et voilà ce que c'était. J'ai sérieusement besoin d'un dos d'âne entre mon cerveau et ma bouche. Combien d'entre vous en ont besoin aussi Et puis mon fils est allé au centre commercial et il m'envoie cette note. Maman, je t'ai acheté une nouvelle blouse. Et j'ai eu un bon sentiment chaleureux. J'ai pensé, eh bien. Et puis il m'envoie une photo de la blouse. Et c'est une blouse noire avec de grandes lettres blanches qui disent, si ma bouche ne le dit pas, mon visage le montrera. Ah. Oh oui, ma famille pense qu'ils sont vraiment drôles. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant Vous savez, quand nous attendons, nous sommes tentés, nous avons beaucoup de tentations alors que nous attendons. Et tenter de... Essayer de faire que quelque chose arrive, et c'est probablement la chose numéro un, essayer de faire que quelque chose arrive. Comme Abraham et Sarah, ils attendaient et elle a été fatiguée d'attendre. Et donc Sarah a une grande idée et Abraham va avec. Elle décide que si elle ne tombe pas enceinte, alors elle laissera Abraham avoir une deuxième femme. Tu veux dire, c'est stupide depuis le début. Non? Mon homme est à moi. Et ne le regardez même pas trop longtemps. Qui donne à son mari une deuxième femme Eh bien, de toute façon, faire marcher les choses vous-même. Une autre chose est de juste abandonner. <laughs> Combien de fois avez-vous dit à Dieu dans votre vie ⁇ J'abandonne ?⁇ Allez, oh Dieu, j'abandonne Ça ne va pas le faire s'apitoyer sur vous. Eh <laughs> bien, j'abandonne. Vous dépasserez cela et vous continuerez. Et vous êtes tenté de vous énerver contre d'autres personnes qui ne traversent pas ce que vous traversez. <laughs> Jaloux des personnes qui ne semblent jamais avoir de problèmes dans la vie et pour qui tout semble, vous savez. Allez bien pour eux. Vous êtes malade tout le temps et votre ami n'a jamais même eu un rhume. Et vous l'aimez avec l'amour du Seigneur, mais vous ne pouvez pas le supporter. Vous comprenez tous cette partie, n'est-ce pas Ecclésiaste 7-8 dit, Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. <laughs> Elle trouve cela drôle. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Maintenant, comprenez cela. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. L'orgueilleux essaye de prendre les choses en main et fait que quelque chose arrive lui-même. Mais le patient attend Dieu. Jacques 1, 4, que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Dans la vie, il y aura toujours des choses que vous ne savez pas. Et si vous voulez avoir la paix et jouir de votre vie, vous devez. Arrêtez d'essayer de tout comprendre. Tout d'abord, nous ne comprendrons jamais Dieu, <laughs> parce qu'il fait certaines choses. Je veux dire, je ne comprends toujours pas ceci et je le lis depuis des années. Quand il crache par terre et fait des petits pâtés de boue, et ensuite il les prend et les frotte sur les yeux de l'homme aveugle. Maintenant, Jésus, ça ne semble même pas être gentil. Il a craché par terre. Et ensuite, il a dit à cet homme d'aller se laver au réservoir et il est revenu en voyant. Vous savez, parfois, Dieu fait quelque chose de très étrange juste pour voir si nous lui ferons confiance. Jésus voulait peut-être voir si cet homme lui ferait confiance et irait faire ce qu'il lui a dit de faire. Vous avez peut-être manqué votre miracle ou j'ai manqué mon miracle parce que je ne m'humilie pas à faire quelque chose qui semble être insensé et que je ne comprends pas. J'essaie de terminer ici mais je m'amuse bien. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, laissez-moi vous rappeler que Dieu travaille dans votre vie. Je vous le dis, si vous avez prié une prière dans la foi, qui est d'après la volonté de Dieu. Dieu travaille dans vos vies. Je me moque de combien de temps vous avez attendu. Dieu travaille. Allez, levez la tête, levez ses mains qui sont baissées, montrez le sourire et dites, Dieu est en train de travailler dans ma vie. Các phương trời vẫn nhớ tới quê hương người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ